Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Loulou, salut Dany, salut Clément, comment vous allez? Salut tout le monde, ça va très bien. Très bien. Salut tout le monde dans le chat, salut Rem, salut Tip, salut Bilabang, salut Nico, salut Violette, salut Jess, salut Andrea, salut Juliette, salut Renaud, salut Julien, salut Rim, salut Nat, salut Chloé, salut Andrea. Bonjour à tous, bienvenue sur l'After Produit, l'émission 100% Produit. Merci Louis, heureusement qu'il y a que Louis qui suit. On applaudit. Il y a deux nouveaux dans l'émission, il faut les excuser. Ouais, c'est les petits nouveaux qui nous accompagnent. Mais avant de commencer, donc on va présenter la nouvelle équipe, l'équipe de l'After Produit numéro 3, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des invités de marque. Avant de commencer, bah, on a notre invité qui est là à chaque fois, qui n'est plus pas un invité du tout, mais qui est notre animateur, monsieur Louis. Le gars qui est toujours là alors que personne n'en veut. Non, je rigole. Non, mais Louis, t'es quand même le meilleur animateur. T'es là, tu es resplendissant, tu illumines toute la planète avec tes blagues et ton astroproduit qui est magnifique. Mon Dieu, on fait la paire en Marcel. Très content d'être là. Hello, hello Dany, hello Clément et hello le chat. On va bien se marrer aujourd'hui. En plus, le Bitcoin repasse au-dessus des 20 000. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Dany, tu vas nous expliquer tout ça. Parce que là, tout le monde est trop curieux. Là. Comment tout ça se fait? Comment ça se passe? D'ailleurs, si vous vouliez parler à Dany, c'est la dernière fois que vous allez le voir. Maintenant, après, il va se réfugier sur une île bah, du coup, dont on ne connaît pas le nom parce qu'il l'a acheté avec ses Bitcoins. Du coup, en deuxième, on a un invité d'honneur quand même qui fait partie de Weevoo. C'est un lead tribe qui est très cher à notre cœur parce que c'est un petit peu notre savant fou chez Weevoo. Il est apprécié partout où il passe, à part dans ses missions. Non, j'ai nommé Clément. Coucou maman, bonjour. Comment tu vas Clément? Mes collègues. Bonjour madame Brottier. Qui m'ont supporté avec le micro toute la journée. Comment tu vas Clément? Comme ça. Pas trop stressé? Comme un bitcoin qui monte. Je suis relax. T'es relax. Bon, en même temps, Clément stressé, ça ne se voit pas trop normalement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en dernier, notre invité de marque quand même, il faut le dire, c'est quelqu'un qui nous a rejoint du coup pour cet After Produit numéro 3. Quelqu'un qui ne vient pas forcément du produit en lui-même parce qu'il n'est pas CPO, mais il est lead développeur chez Ledger. J'ai nommé Dany. Comment tu vas Dany? Bravo Dany. Alors merci pour cette présentation. Donc oui, ça va très bien. Encore merci pour l'invitation. Alors, j'espère qu'on va faire une super émission. On est très content de t'avoir. Hein. Je sais. Tu vas passer à la broche, Dany. On va te poser trop de questions. Tu vas plus pouvoir. Ok. Du coup, la première question, ce sera comment devenir riche. La deuxième, comment est-ce qu'après on peut défiscaliser ça parce que c'est les deux questions, je pense, qui brûlent le lèvre de tout le monde. Voilà. Sinon, on te met à lèvre, hein, Dany. Sinon, bah, bienvenue encore au chat, n'hésitez pas à poser toutes les questions du coup dans le chat, je m'occupe de, ça, de cette partie-là, donc comme ça on pourra y répondre justement durant les différents talks qu'on va pouvoir avoir, un sur la blockchain et un sur l'innovation en tout cas, donc n'hésitez vraiment pas à intervenir durant toute l'émission pour qu'on puisse répondre, que ce soit Dany, Clément ou Louis, à toutes les questions que vous avez sur n'importe quel, ce que vous voulez en fait, tout simplement. Et avant de commencer, on va commencer par... présenter Dany tout simplement, donc on va lancer le tac au tac. Qu'est-ce que c'est? Dany. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est le tac au tac? Un jeu à gratter. Alors, c'est effectivement un jeu à gratter. Bien joué. Il est fort au tac au tac. Déjà, ça... il est déjà très très fort. Il est bon. En fait, non, ça va être des questions pour te présenter rapidement, du coup, en tac au tac. Donc, je te pose une question, tu me donnes une réponse très rapidement et hop hop hop. Est-ce que c'est okay. Clair pour toi? 42, parfait. Très bien. Du coup, Dany, est-ce que tu peux nous donner un mensonge et deux vérités? Alors, ok. Donc, j'ai acheté du BitConnect. Mais qu'est-ce que le BitConnect? On y répondra juste après. Ah, pour ceux qui connaissent un peu la blockchain, c'est le plus gros scam de l'histoire de crypto. Il y a une vidéo très, très connue de... c'est une émission sur HBO qui parle de BitConnect. C'est le mec qui fait BitConnect. C'est le plus gros scam de l'histoire. On ira tout soir. Un autre fact, je me suis fait friser mes comptes sur une plateforme d'exchange de crypto. Et un autre fact, je suis crypto-trillionnaire. Alors maintenant, on va essayer de décoder un petit peu tout ça parce que je pense qu'il y a des personnes... si justement, qu'est-ce qu'un scam? Déjà, si tu peux expliquer déjà ce que c'est un scam avant qu'on réponde, avant que Clément trouve
la vérité, enfin le mensonge et les deux vérités. Qu'est-ce qu'un scam, Dani? Qu'est-ce qu'un scam? Un scam, en fait, c'est des gens un peu mal intentionnés qui essayent de récupérer votre argent. Donc y a plein de subterfuges. Dans le cas de BitConnect, c'était une pyramide de Ponzi. Donc ils avaient mis en place, voilà, vous achetez ce token et ils vous garantissaient tous les mois d'avoir 10% de retour sur investissement. Et en fait, voilà, c'est quand les gens ils mettent de plus en plus d'argent, ils payent les autres gens avec l'argent des nouveaux, etc. Et à un moment, ça s'écroule. Et ça s'est écroulé, de manière violente. En une journée, ça fait moins 90%. Enfin, c'était magnifique. Et plein de personnes qui sont devenues pauvres. Alors Clément, quel est le mensonge et quelles sont les vérités de Dany, selon toi? Alors, étant donné que je connais bien Dany, il a forcément investi dans BitConnect. Parce que partout où on peut faire des idioties, il va y aller. c'est pas faux. Est-ce que tu peux nous rappeler tes autres mensonges ou vérités? Alors, il y a des BitConnect, il y a le compte frisé. Donc, en fait, il faut savoir que le monde des crypto-monnaies, enfin, toute l'industrie, c'est une industrie qui n'est pas régulée. Donc, on ne peut pas dire à la haute autorité des finances, monsieur, là, j'ai mis de l'argent sur cette plateforme, ils ne veulent pas me la rendre. Allez chez eux frapper, envoyez la police. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'on ne peut pas faire, en fait, encore, ce n'est pas encore très régulé. Ça l'est de plus en plus. Ah, la NSA, enfin tout ça, ils commencent vraiment à réguler. Il y a des licences à New York. Et donc, tu es en train de dire qu'on ne peut pas se faire friser son compte, en fait. Donc, je suis en train de dire exactement le contraire. En fait, il n'y a aucune régulation. En fait, quand tu mets de l'argent sur cette plateforme, même si c'est une plateforme qui a une super réputation, en fait, tu es à l'abri de rien. Tu n'as aucune assurance. D'accord. Ok. On me dit dans l'oreillette, est-ce que Clément et Louis, est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît? Mais oui, mon bon monsieur. Et le voilà. Merci beaucoup. À l'écran. Et du coup, alors Clément, quel est le mensonge du coup? Quel est le mensonge? Étant donné que j'ai géré les comptes de Dany pendant un petit temps, je sais qu'il n'est pas trillionnaire. Par contre, je sais qu'il a été en procès avec une plateforme japonaise pendant 2 ans pour récupérer son argent. Parce que monsieur s'amuse à faire des choses pas tout à fait claires. C'est pas vraiment vrai, en fait. C'est pas toute l'histoire. Non, c'est juste, voilà, un moment, je crois qu'il y a quelques term and conditions sur une plateforme. Il se pourrait que j'ai un peu pas très respecté chaque petite étoile du contrat de confiance de Darty. Et ils m'ont dit, monsieur, vous avez fait trop d'argent. Et comme c'est un grand casino, les cryptos, ils ont confisqué mon argent et mes gains. Super. Et du coup, tu n'es pas trillionnaire, tout simplement. J'aurais bien aimé. Mais c'est... Malheureusement. Il y a dans le chat Aurel qui a acheté du Railblocks, du Nano, qui est resté bloqué aussi. Sinon, du coup, deuxième question. Quelle est ta conception d'un bon produit ou d'une bonne innovation? C'est un bon produit, alors je pense que c'est un produit simple d'usage. Je crois que c'est vraiment la clé. Il faut que ça soit simple et que ça réponde à un vrai problème. Voilà, ça résout un vrai problème. Ok. Je pense que c'est un bon produit. Et dernière question, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus? Satoshi Nakamoto, bien sûr. Comme tout le monde. Pourquoi pas? Tu peux expliquer qui est Satoshi Nakamoto pour les non-initiés, justement? Alors, c'est en fait le Bitcoin. Donc, il y a des sous des items, des décimales du Bitcoin. C'est un peu comme les centimes et l'euro. Voilà, donc, les centimes côté Bitcoin, c'est des Satoshi de son créateur, Satoshi Nakamoto. Enfin, son créateur, c'est un créateur, on ne sait pas qui c'est. C'est un pseudonyme. Et voilà, donc c'est le monsieur qui a créé le white paper, qui a créé donc Bitcoin, qui a créé cette révolution blockchain dans laquelle on est aujourd'hui. Tu collectionnes plutôt les centimes que les euros, du coup, si c'est ton fan numéro 1. T'es plutôt dans les Moi, je dis plus, je dis plus my two cent, moi, je dis my two sat. Du coup, il y a Mater qui te pose une question, Dany. Comme ça, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu codes en quoi? Quel est le langage? Quelle plateforme tu utilises? Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail sur toi, qui tu es. Ok.
Ah là, chez Ledger, je fais pas mal de Python. Et un peu de Scala. Voilà. Okay. C'est du back, hein. Je fais du back-end. J'essaie de faire du front, donc un peu plus orienté produit, user experience. Il s'avère que je n'ai pas du tout cette appétence. ce don. Voilà, ce recul. Je laisse ça à des gens comme vous, comme Clément. Voilà. Par contre, moi, j'aime beaucoup ce qui est moche, le terminal, tout ça. Les lignes de commande, ça, j'aime beaucoup. Et du coup, Dany, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, savoir d'où tu viens, comment est-ce que tu es arrivé dans la blockchain, comment est-ce que tu es arrivé lead dev chez Ledger, si tu veux nous raconter un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que Ledger aussi? Ah, ok, placement de produit. Ouais, je devais le faire, Ledger NanoX. Du coup, oula, donc moi je suis ingénieur de formation et j'ai commencé à bosser, c'était en Australie. Ouais, moi j'ai un peu la bouloche. Après, j'ai bossé 2 ans à Paris en tant que consultant, toujours dans l'informatique. Après, je suis parti à Singapour. Pareil, j'avais la bouloche, j'en avais marre, j'ai tout plaqué. Je suis parti vraiment avec mon sac, mon couteau. J'ai cherché un VE, je n'ai pas trouvé. Et du coup, je comptais rester 6 mois, faire assez d'argent et faire un petit tour du monde. Ben, finalement, ça ne s'est pas du tout fait. Je suis resté 4 ans, j'ai bossé comme un chien. Donc, dans une start-up opérateur, le Free Local, où j'ai fait un ERP. Voilà. Donc, entre-temps, à Singapour, j'ai découvert le monde de la blockchain. C'est vraiment, j'ai découvert voilà, le monde, parce que là-bas, c'est vraiment un vrai monde d'argent. C'est vraiment, Singapour, vous y allez, les pauses café, c'est toi, t'as acheté quoi? Toi, t'as investi sur quoi? C'est quoi ton blue chip? Voilà. J'ai même eu, ah, toi, t'es français? Attends, il y a le match, là, sur le joueur de tennis, Roland Garros, pour vous dire, culture générale du tennis. Qui tu penses que tu vas gagner? J'ai dit, je regarde Google vite fait, j'ai dit, je pensais ça. C'est, je sais pas, Djokovic. Le mec dit, ok. Et le mec, il met 5000 euros sur Djoko et Djoko perd. C'est ce genre d'argent. Et bah, du coup, ouais, c'est un autre truc. C'était super. Hein. J'ai fait 4 ans, je comptais y rester 6 mois. Et du coup, donc là, j'ai pas mal bossé. Et là, j'ai découvert la blockchain. Et là, j'ai vraiment découvert voilà, ce monde fou. C'est voilà, pour la première fois, en fait, c'est une vraie révolution. On est capable d'envoyer de l'argent, une valeur sur Internet. C'est ça, en fait, le concept fou. C'est qu'en fait, Internet, c'est l'autoroute de l'information. Alors, en fait, quand tu envoies un email, tu envoies une copie. Donc, tu as ton email dans ton téléphone, tu as les serveurs de Gmail qui ont ton email en 10 exemplaires. Et ça, si tu reproduis ce modèle-là avec l'argent, ça ne marche pas. Si moi, j'envoie mon Bitcoin à toi, Louis, à toi, Marcel, et à toi, Romain. Clément. Désolé. À toi, Clément. Tu ressembles vraiment à un Romain que je connais. Et c'est, c'est le même Bitcoin. Et je me renvoie à moi-même. En fait, on serait tous trillionnaires. D'où je pense que je suis trillionnaire. Voilà, donc c'est la vraie révolution de la blockchain. C'est qu'on peut enfin faire du transfert de valeur de manière décentralisée sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand vous envoyez de l'argent, vous envoyez de l'argent sur Internet, vous signez des transactions, vous envoyez 100 euros. En fait, c'est pas Internet, hein, c'est un réseau privé. C'est VisaNet, Mastercard Network, et c'est totalement privé. Voilà, et ça coûte. Donc là, en fait, je pense qu'on est vraiment en train de faire exactement ce qu'on a pu voir dans l'Internet, c'est-à-dire diviser par 1000 le coût des transactions. Un vrai transfert de valeur. Donc, voilà, je dis transfert de valeur parce qu'aujourd'hui, le use case. Le premier use case, voilà, c'est vraiment un transfert de Bitcoin. Ouais, donc ça vaut de l'argent. Pour ça, je dis c'est un transfert d'argent. Mais comme on voit là, je pense qu'on va en parler pas mal après. Voilà, il y a vraiment un type de propriété. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment transférer tout et n'importe quoi et de manière totalement décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas. Enfin, la décentralisation, c'est un concept assez compliqué. Les gens, ils parlent de désintermédiation. On enlève le Uber au milieu. Mais. Ouais, ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise au milieu. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses sur la blockchain. Il y a plein de contrats, ça s'appelle les smart contracts. Enfin, il y a plein d'objets qui vraiment possèdent de l'argent. C'est vraiment vrai, un bout de code possède de l'argent. Il fait ce qu'il veut avec cet argent. Et toi, tu as travaillé là-dessus à Singapour? Et cet argent, ce bout de code peut se faire hacker. Tu travailles là-dessus dès Singapour ou c'est ensuite en travaillant chez Ledger où tu t'es renseigné à ce point? Non, c'est moi en fait. Oui, donc pour l'histoire de Singapour, c'est du coup j'ai rencontré pas mal de gens qui, certaines soirées assez spéciales, qui me parlaient de voilà, donc sur le dark web, parlons-en. Hein, sur le dark web, voilà, il n'y avait aucun réseau de paiement traditionnel.
Donc, en fait, on ne pouvait juste pas payer des choses. Et le seul moyen de payer des choses, c'était de payer en Bitcoin. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le Bitcoin. Après, j'ai découvert tout ce qui était le monde du trading. Cette histoire de compte creusé. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, il faut que je travaille dans cette industrie. Bon, finalement, je n'ai pas tout de suite travaillé dans cette industrie. Je me suis reconverti de l'industrie des télécoms à l'industrie financière. Mm-hmm. Et maintenant, je travaille donc chez Ledger, qui est le leader, le leader des hardware security. Les clés USB. Oui, voilà. Donc, en gros, la clé USB, c'est quoi? En fait, les réseaux de paiement, aujourd'hui, quand vous utilisez votre credit card, votre carte de crédit, et que vous payez, en fait, vous émettez une signature électronique. En fait, vous signez quelque chose, c'est ça, en fait, la clé. Et ce qu'on fait, en fait, on a pris la carte de crédit, on l'a foutue dans une clé USB, et ça, c'est votre carte de crédit sur la blockchain. Vous avez juste, vous voyez des transactions. Quand vous passez une transaction sur la blockchain, vous l'avez sur votre nano et vous signez. Ça, c'est un petit ordinateur. Donc, voilà, comme ça a besoin de sécuriser, comme c'est des fonds, hein, la blockchain, une fois que vous validez une transaction, vous ne pouvez pas faire un rollback, vous ne pouvez pas appeler votre banque et dire « Rendez-moi mon argent, je me suis trompé. » Donc, voilà. Il faut vraiment, et surtout le plus important en fait, c'est surtout de ne pas faire piquer son argent. Parce que c'est et que des signatures. Si tu te fais piquer ta clé USB, est-ce que tu te fais piquer ton portefeuille? Peut-être une question très naïve, hein, je me permets. Y a un code quand même. Okay. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que si tu te trompes trois fois de code, ça écrase donc la clé qui permet de signer. Mais oui, si la personne a ton code, c'est comme si elle a ton code de carte bleue et là, elle va accéder à toute ta fortune. Et question un petit peu naïve, hein, c'est pourquoi mettre mon argent sur une clé USB et pas sur mon ordinateur ou sur un échange? C'est ça en fait, ton ordinateur en général, si tu vas sur des sites un peu douteux, tu peux avoir un petit virus qui va lire ton petit fichier où il y a ta clé privée et il va te la piquer et du coup il va te piquer ton argent. En fait, tout ton secret réside dans un simple fichier, c'est juste une simple chaîne de caractères. Et si je laisse mon argent sur un échange ou si je donne mon argent à quelqu'un pour qu'il s'en occupe? Comme un PayPal C'est entre toi et c'est est-ce que tu fais confiance à cette institution? C'est ça. Et comme en fait, c'est tellement pas très régulé, moi, je ne conseille pas du tout de mettre beaucoup d'argent sur un échange. D'ailleurs, moi, j'ai eu la pire expérience du monde avec un échange. Voilà, je conseille vraiment de sécuriser son argent, enfin, ses crypto-monnaies, sur un hardware. Security Wallet, un hardware wallet. Donc là, je monte le Ledger Nano X. Ça marche sur votre téléphone. C'est super. Ça supporte quasiment toutes les blockchains dignes de ce nom. Voilà, vous pouvez vous amuser. Et alors, hormis trader finalement de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu achètes vraiment avec ton portefeuille en fait d'argent? Enfin, comme tu dis, c'est ton argent, c'est toi qui le possède. Comment tu le dépenses? Ou alors tu ne fais que trader? Comment ça se passe? Alors, ce qui est cool, c'est que tous ces acteurs, ils mettent en place des solutions de cartes de crédit. En fait, tu fundes ta carte de crédit avec des cryptos. Et après, tu utilises ta carte de crédit pour acheter ton pain, ta bière, ton resto. Enfin, bien sûr, tu ne peux pas acheter une maison. Y a des grosses dépenses, c'est encore un peu compliqué. Pour tout ce qui est évasion fiscale, le Portugal est une bonne destination. Il faut y être 6 mois et un jour. Non, je n'ai pas de compte en Suisse. Non, ne faites pas ça. Payez vos taxes. On est les enfants d'un système. Et c'est un très bon système pour avoir vécu à Singapour. Vraiment, je trouve que le système français, c'est vraiment le meilleur système au monde. Voilà, ça c'est dit. Il y a un internaute dans le chat, du coup, Aurel, qui te pose la question par rapport à un échange qui est un des plus connus, voire le plus connu, parce que très facilement utilisable sur son portable qui s'appelle Coinbase. Je pense que ceux qui sont un peu initiés dans la blockchain le connaissent et dans la crypto-monnaie en tout cas le connaissent. Est-ce que tu fais confiance par exemple à un échange de ce type comme Coinbase du coup qui est un des plus connus, mais sinon tu as Binance, Kraken? Alors aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est quasiment que tous les gros exchanges se sont fait hacker à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est juste... ils ont fait plusieurs, plus ou moins d'actions. Là. Donc, en général, ils ont des assurances, ils remboursent. Donc, ils ont la réputation aussi. Donc, je dirais, pour des petits montants, oui. Voilà. Je pense qu'au-delà de, on va dire 5 chiffres, voilà, 5 chiffres, allez-y. Hein, allez-y sur Coinbase, ça peut voir le coup.
Voilà, si vous êtes plus en sécurité, vous sentez mieux avec Coinbase, allez-y. Mais après, ça ne permet pas vraiment de faire partie de la révolution blockchain qui est vraiment la décentralisation. C'est-à-dire que chacun est responsable et honneur de ses clés privées et chacun participe au réseau au sens où voilà, je ne passe pas par un middleware, donc je ne passe pas par un middle guy, je ne passe pas par Coinbase, mais c'est moi-même qui directement va utiliser le réseau, va signer mes transactions, va stocker mes transactions, va staker. Aujourd'hui, voilà, on peut gagner de l'argent en stakant ces cryptos. Donc, ça nous donne un yield. Voilà, je ne suis pas trop technique. Un livret A. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on peut mettre. C'est vachement mieux qu'un livret A, mais voilà, on peut gagner de l'argent avec ces cryptos. Et en général, les plateformes qui rendent la chose plus facile, en fait, vous donnent beaucoup moins d'argent que si vous le faites tout seul. C'est normal, il y a un service qui est rendu. Bon. Bah, sans vouloir rentrer dans le cliché, est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, peut-être de Mondgox ou même de ton aventure hein, sur cette échange japonais et en quoi bah, avoir ta propre... Voilà. Typiquement, moi, c'est ce qui m'a fait vraiment acheter... Avant que je travaille chez Ledger, j'avais déjà acheté un hardware wallet. C'est le jour où je me suis fait hacker. Bah, là, je me suis dit, bah, mince, si j'avais retiré mes cryptos sur mon wallet, mon propre wallet, au-delà d'un hardware wallet, mon propre wallet, bah, ils n'auraient pas pu friser mes assets. Tout simplement parce que, en fait, quand vous donnez vos assets à un exchange, en fait, vous leur cédez la custodie. C'est eux qui stockent la chose pour vous. Et vous n'êtes plus que, comme dans une banque, en fait, un chiffre sur une base de données. Alors que quand c'est vous qui avez sur votre propre hardware wallet vos cryptos, donc voilà, des clés de signature, personne, pas même un État, en fait, c'est pour ça que c'est la force de Bitcoin, personne ne peut vous confisquer vos assets. Et c'est pour ça aussi que ça a marché sur le dark web. C'est la monnaie libre, la monnaie Internet. Internet Magical Money, il y a une raison pour ça. C'est vraiment, personne ne peut... Voilà, quand vous êtes participant du réseau, personne ne peut vous voler vos assets. Il n'y a pas le gouvernement qui veut confisquer vos assets. Aujourd'hui, sur un livret A, on a vu ce qui s'est passé en Grèce. Il y a quelques années, ils ont confisqué tous les livrets A, ils ont mis une limite de retrait. Si vous, sur les crypto-monnaies, ce n'est pas possible. Ok. Tu parlais, Dany, alors la question s'adresse aussi peut-être à Clément, mais tu disais tout à l'heure, chacun est responsable finalement de son rôle en fait, dans la blockchain. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui fait peur aux gens d'investir dans les crypto-monnaies, de rentrer en fait dans la démarche, au-delà de la compliquée et technique. Il y a un vrai challenge, un énorme challenge à la blockchain de rendre l'expérience utilisateur simple. Aujourd'hui, Coinbase, c'est le meilleur sur ça, et c'est pour ça qu'ils attirent autant de monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont une valuation, je sais pas, plusieurs milliards. Voilà, c'est qu'ils ont rendu une interface utilisateur assez sympa, et les gens, voilà, ça ressemble à un truc qu'ils connaissent. Voilà. Mais pour moi, si tu fais ça, tu ne rentres pas vraiment dans les concepts de blockchain. Mais c'est très bien, ça permet d'abord, tu commences là-dedans. Moi, j'ai commencé sur ces plateformes centralisées et maintenant, plus jamais. Si j'y vais de temps en temps pour vendre, pour swapper, mais c'est tout. Et tu trouves ça pas bien parce qu'ils prennent justement, ils font office de tierce. Je trouve ça super. C'est grâce à des gens comme ça qu'on va démocratiser au maximum l'univers des crypto-monnaies de la blockchain. Quand PayPal a annoncé les crédits de support des cryptos, j'ai applaudi, j'ai sorti le champagne. Oh, c'était la folie. Ah non, c'est des super signaux pour l'industrie. C'est encore une très petite industrie. Ça commence à exploser, mais c'est encore assez petit. Après, Louis, pour ajouter sur ta question, même moi, en tant qu'utilisateur confirmé, à chaque fois que je fais un transfert d'argent à quelqu'un, donc, que ce soit Dany ou n'importe qui d'autre, j'envoie toujours 2 centimes avant d'envoyer la vraie transaction. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas user-friendly. C'est-à-dire que j'ai une suite de caractères, de 32 caractères, que je copie-colle dans un endroit. À chaque fois, j'ai la paranoïa de me dire, ça se trouve, j'ai mal copié-collé. Donc, mon argent, il va atterrir chez quelqu'un d'autre ou je vais le perdre. Donc, toujours, j'envoie 1 centime, j'attends une demi-heure. Si c'est bien reçu, j'envoie la vraie somme. C'est terrible, il n'y a pas si longtemps, même un gros acteur du marché, donc c'est Aave, c'est un des gros acteurs du DeFi et des Central Finance. Il y a un de leurs opérateurs qui a brûlé 1 million de worth of USD value, ou 1 million de dollars en envoyant une transaction Ethereum au contrat. Plutôt qu'envoyer à quelqu'un, il a fait copier-coller du contrat. Donc il a brûlé 1 million de dollars de value token. Je pense que c'était un stagiaire. Il y a pas et, de...
Mais c'est marrant parce que en préparant un peu l'émission, je regardais la blockchain. Le concept de blockchain, c'est pour justement, c'est éliminer la confiance en fait dans une transaction. C'est faire en sorte que justement, ce soit tu lis quelqu'un avec quelqu'un d'autre ou alors quelque chose avec quelque chose d'autre par un lien de confiance qui est incassable, j'ai envie de dire. Et là, tu viens de dire, on peut pourtant se tromper facilement. On va dire, si tu payes 5 euros, tu t'en fous. Mais je crois qu'il y a 3-4 jours, il y a une transaction de 1 milliard. C'est de, je sais plus quoi, vers Fun. C'est de se faire un casino sur Ethereum. C'est Fun Team, je crois, ou Fun quelque chose. Bon, bref, ouais. Un mec qui a envoyé 1 milliard en une transaction. Il a payé 1 dollar de fee. Je sais pas si on se rend compte, mais dans les banques, si tu fais un transfert de 1 milliard, tu vas payer au moins 1 million de fee. C'est quoi les fees? Juste parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas extrêmement calées sur le domaine bancaire. Ok, en gros, c'est vrai qu'en fait, on croit qu'on ne paye pas quand on paye avec les réseaux de paiement traditionnels. Donc en fait, quand tu payes ta carte de crédit, tu dis c'est gratuit. En vrai, pourquoi il y a encore autant de petits marchands qui demandent du cash ou qui te disent je peux payer par carte de crédit à partir de 10 euros? C'est parce qu'en fait, il y a un flat fee qui est de, je crois, un peu plus dur aussi, moins c'est cher, mais c'est genre 3%. Et après, tu as un fee en plus qui est un pourcentage de ta transaction. Ça, c'est les réseaux classiques. Donc, sur la blockchain, c'est pareil, en fait, un fee par transaction. Ouais, sauf que toi, tu le payes. Ouais, ce n'est pas le marchand qui te paye. Est-ce que dans toutes les blockchains, du coup, il y a un fee par transaction? Parce que je crois avoir entendu qu'il y a, par exemple, le Nano, dont justement Aurélien en parlait tout à l'heure, qui lui, n'a pas de fee. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui va tendre à se démocratiser? Et pourquoi il n'y a pas de fee à ce moment-là pour ces blockchains-là? Alors ça, c'est la grosse question philosophique. Donc c'est, pendant longtemps, j'ai vraiment cru que les blockchains fees, c'était la killer apps. Et qu'en gros, je crois que originellement, on met des fees pour pas que tu floues le réseau. C'est pour éviter un DDoS. Parce que si c'est fees, n'importe qui, tu peux empêcher un mec de créer 1 million de transactions. Et on est tous d'accord que chaque blockchain a une capacité plus ou moins limitée. Bitcoin, c'est juste la folie. Hein. Les mêmes pools sont remplis ultra vite. Je crois que Bitcoin, c'est une transaction toutes les 30 minutes. Ethereum, c'est genre 20 transactions toutes les 10 minutes quand le réseau se comporte bien. Mais ouais, c'est tous les réseaux ont une capacité. Et à partir du moment où tu dis c'est fee-less, mais tu peux avoir un acteur qui, je sais pas, hein, imaginons que là, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et lui, il va être le premier pour miner une transaction, enfin je sais pas, le premier à passer, ben, il peut te flouder le réseau, du coup c'est DDoS et lui il passe en premier. Enfin, il y a plein d'attaques en fait qui ont prouvé qu'il faut quand même mettre des fees, mettre un minimum de fees pour empêcher ce genre de choses. Voilà, ou juste les gens qui veulent faire des blagues. Et là on a parlé pas mal de l'aspect financier, donc qui est la plus grosse porte d'entrée je pense sur la blockchain actuellement en tout cas, mais on entend de plus en plus justement sur la partie produit, par exemple avec Carrefour qui trace les volailles si je ne dis pas de bêtises, qui utilisent la blockchain parce que c'est quelque chose qui est infalsifiable, en tout cas à l'heure actuelle, tant qu'il n'y a pas les ordinateurs quantiques. Est-ce que vous voyez, et pourquoi en fait actuellement on n'utilise pas plus la blockchain? Parce que imaginons, je suis La Poste, avec tous les colis perdus au monde, se dire ok, j'envoie un colis, je sais que telle personne l'a reçu et que c'est infalsifiable, ça, c'est la chose à avoir quand on s'appelle La Poste, parce qu'avec tout ce qu'ils perdent comme argent par rapport au nombre de colis perdus ou nombre de lettres perdues, c'est quand même assez énorme. Pourquoi c'est pas utilisé, ou en tout cas peu utilisé, selon vous? T'as parlé de l'exemple de La Poste, que je trouve un exemple intéressant. Je sais pas si, Dani, tu peux nous en dire plus sur tout ce qui est, en fait, la notion de vérité sur la blockchain et le concept même de l'oracle. D'accord. Avec des mots simples. Parce que là, l'oracle, il y en a qui ont pensé à Matrix, je pense. Ça se rapproche. Ok. En fait, j'avoue, qu'est-ce que je peux raconter? Ou je peux raconter moi, hein, mais en fait, pour moi, l'un des problèmes, voilà, si on parle de La Poste. Oui, on pourrait suivre toute l'actualité d'un colis sur la blockchain et on pourrait pas la modifier et ce serait super bien. Mais se pose quand même la question d'en fait d'où vient cette vérité. C'est-à-dire que c'est La Poste. Déjà oui. C'est La Poste qui va dire que le colis a été bien livré, ouais, mais ouais. En fait on retourne dans une situation de confiance, on retourne dans un monde où moi je suis obligé de faire confiance à La Poste.
Donc en fait, le gros problème avant d'avoir ce genre d'application qui serait en fait un lien avec notre vie de tous les jours, c'est trouver une solution à cette source de vérité et à la rendre vraiment impartiale. Parce que au final, ça sert à rien de mettre de la blockchain si c'est la poste qui contrôle tout le système. C'est un peu ça pour l'instant qui est gênant sur ce genre d'application. C'est ça. Aujourd'hui, il y a quelques systèmes comme ça où on veut, entre guillemets, c'est l'histoire de l'oracle. Enfin, il y a quelques systèmes comme ça qui, en fait, quelques blockchains, quelques dApps. DApps pour Decentralized Application. Donc, c'est des applications sur la blockchain qui, en fait, permettent de passer par cette centralisation. Donc, voilà, c'est-à-dire de faire confiance qu'à un seul service, une seule personne, c'est pareil. Donc, par exemple, je prends le cas de Augure, qui est une application, en fait, de betting. Comment on traduit en français? De paris en ligne. En gros, c'est ça. C'est qui va gagner l'élection? Donc, qui va gagner? Est-ce que c'est Donald Trump ou Joe Biden? Si tu lis les tweets de Donald Trump, c'est I win by a lot. Si tu lis les tweets de Joe Biden, il a gagné. Donc, où est la vérité? Donc, comment ils résolvent ce problème? Eux, c'est que tu as des gens qui ont des tokens, qui mettent en jeu leurs tokens pour dire moi, je pense que c'est Joe Biden, moi, je pense que c'est Donald Trump. Donc, voilà, tu fais quand même confiance à des gens, et des gens qui signent et qui disent voilà, c'est telle personne qui a gagné. Donc, c'est les gens qui font l'oracle, entre guillemets, mais il y a plus de personnes, ce n'est pas une seule source. Voilà, c'est genre une centaine de personnes, et s'ils donnent la mauvaise réponse, si on se rend compte qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont essayé de biaiser le système, ils perdent des tokens. Il y a toujours une histoire d'incentive dans la blockchain. Il y a toujours une incentive. C'est ça qui est important. Ce qui fait que ça a marché par rapport à eCash et Bitcoin, parce que eCash, c'était la première version, entre guillemets, du Bitcoin. C'est quoi? Avec le Bitcoin, il y avait une vraie notion de reward. Quand tu mines, tu gagnes des tokens, tu gagnes des bitcoins. Quand tu dis on, c'est-à-dire on va se rendre compte qu'ils ont triché, j'aimerais bien que tu nous expliques qui est ce on, justement, parce que c'est pas une personne, c'est pas une entité. Enfin, non, il n'y a pas d'autorité encore. C'est toujours un groupe de. C'est un quorum de personnes. C'est toujours un quorum, en fait. Ouais. Tout ce qui se passe en décentralisation, en fait, c'est un quorum. Il faut qu'au moins la majorité des gens, on va dire 2/3, ça c'est toujours. 70% des gens disent quelque chose, et là tu te dis, bon, si 70 personnes disent ça, c'est la vérité. D'où en fait le truc de betting, en fait, ils n'appellent pas ça betting, c'est la prediction market. Parce que betting, c'est un peu. Ça ne passerait pas dans la législation. Et voilà, c'est ça en fait. Et c'est comme ça qu'il y a plein de trucs, voilà, il faut juger, il faut voter, et c'est des gens en fait qui votent au final. Après, il y a. Pardon, ouais. Non, j'allais dire, là on voit que le cours a explosé. Est-ce que c'est les tokens? Cette notion de pari en fait sur l'explosion du Bitcoin, est-ce que les gens ont par exemple parié sur l'explosion du Bitcoin, donc ça explose, donc ils sont rémunérés, c'est lié ou pas du tout? Ah non, ça c'est autre chose, mais ça c'est du trading, mais ça existe aussi, ça s'appelle le casino. C'est, tu peux parier, tu fais un long, tu fais un margin trading, tu peux faire un long fois 100 sur BitMEX, tu mets 1€, voilà. Et tu peux emprunter 100€ et tu dis que le Bitcoin va monter et tu gagnes 100 fois plus. Ça c'est Clément, l'expert dans ce domaine. Ok, et ça marche. Il y a justement une question de The Thesophobe qui te demande qu'est-ce que va apporter l'ETH numéro 2.0 Oula, énormément de choses. C'est une private joke ou... Non, parce qu'en fait, il y a eu une nouvelle version. Vas-y, Dany ou Clément, si vous voulez expliquer. Vas-y, ouais, Clément. Bon, on va peut-être déjà expliquer la différence entre Ethereum et Bitcoin. Si Dany, tu peux nous faire un petit cours de ce que c'est decentralized application. Alors, en gros, il y a une grosse. Enfin, comment expliquer ça simplement? En gros, il y a une espèce de grosse machine virtuelle, donc un gros serveur, un gros PC partagé par tout le monde. On peut uploader des applications. Ça s'appelle l'Ethereum Virtual Machine. Et du coup, on met du code. Et ce code, comme c'est lié à la blockchain, il peut owner de l'argent. Des tokens, de l'argent. Okay. Ce que je trouve absolument... ce qui est changeant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que ce code s'exécute tout seul et sans autorité derrière. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, voilà, je suis product owner, je lance mon site web. Mon site web, il est sur mes serveurs et puis c'est moi qui ai un contrôle sur ce qui se passe. Là, la différence, c'est que le code va être sur la grosse machine dont parlait Dany.
Et à partir du moment où il est sur cette grosse machine, j'ai plus de contrôle dessus. Et toute la communauté, tout le monde peut le voir. T'as pas contrôle dessus, mais c'est pas la machine qui fait. Enfin, c'est quelqu'un qui a codé. C'est du code. Donc le meilleur exemple, en fait, aujourd'hui, c'est tout ce qui est lending et borrowing. C'est DeFi, decentralized finance. Donc ce bout de code, donc on prend une plateforme comme Compound, qui est la plateforme numéro 1 sur Ethereum de prêt et de borrow. Les smart contracts de Compound aujourd'hui, ils possèdent, donc un bout de code possède, je crois, 3 milliards ou 2 milliards de dollars. Voilà. Et ce bout de code, en gros, donc c'est des gens qui ont donné de l'argent à ce bout de code. Plutôt que le donner à Coinbase, ils le donnent à Compound pour recevoir de l'argent ou au contraire pour emprunter de l'argent. Okay. Et ce bout de code, en fait, voilà, si tu empruntes de l'argent, si tu ne rembourses pas, eh ben, il va vendre les tokens, les Ethers que tu lui as mis, que tu lui as donné. Custody. C'est un peu comme une banque qui s'auto-gère, en fait. Il n'y a personne derrière. Okay. C'est ça qui est fou. Il n'y a personne derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui va valider les choses. Il n'y a pas quelqu'un qui... C'est... Tout est automatique. En fait. C'est fou. C'est ouvert. Donc, en fait, toi, tu peux aller, avec suffisamment de compréhension technique, mais toi, tu peux aller voir tous les rouages, justement, de cette banque. Donc, tu peux aller auditer le code, comprendre les actions, réactions, comprendre les... Enfin, contrairement à une banque, tu peux voir le collatéral. On te dit il y a 2 milliards, tu vas sur un explorer d'Ethereum et tu es sûr qu'il y a vraiment 2 milliards dessus. Alors que tu vois, tu prends une banque, on ne sait pas qu'il fonctionne à combien de fractional reserve. Enfin, c'est ultra shady, ultra black box. Là, c'est totalement transparent, c'est pseudonymous. Hein. Donc toi, sur ce contrat, tu t'appelles 0xb12. On ne sait pas que c'est toi, heureusement. On pose une question encore dans le chat. Il y a Python Sky qui te pose une question, ou qui vous pose à tous une question. Pourquoi à l'heure actuelle, on ne peut pas utiliser la blockchain lorsque l'on va faire nos achats de tous les jours? Ce qui n'est pas forcément vrai maintenant, d'ailleurs, de plus en plus. Eh ben, on peut. On peut. Du coup, comment est-ce qu'on peut, Clément? Clément. On peut, grâce à... Bah, Dany en parlait en introduction. Hein. Alors, il y a eu plusieurs itérations sur la création de ça, mais maintenant, il y a des cartes sur lesquelles moi, je peux mettre mes bitcoins. Et ces cartes sont sur le réseau Visa. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est au moment où moi, je vais faire mon sans contact, au moment où je vais payer, ça va vendre mes bitcoins, les transformer en euros et payer avec mes euros sur le réseau Visa. Donc, du coup, c'est complètement l'équivalent de payer en bitcoin. Sauf que la personne qui reçoit l'argent, elle reçoit des euros et elle n'a rien vu ni connu, quoi. Mais du coup, la transaction bitcoin-euro se fait à quel tarif, finalement? Parce que est-ce qu'on ne se dit pas... je vais perdre de l'argent parce que lorsqu'on voit le cours du Bitcoin qui a atteint plus de 19 500 dollars. Moi, je conseille toujours, ça, c'est un conseil totalement financier. Non, c'est pas du tout. Moi, je conseille toujours de mettre ses cryptos en collatéral sur un smart contract. Oui, un smart contract. Hein. Ne le faites pas de manière centralisée. De récupérer des stablecoins. Du coup, ces stablecoins, vous les mettez sur votre carte de crédit crypto. Du coup, vous vendez du 1 pour 1. Vous ne perdez pas d'argent. Et si jamais le cours des cryptos continue à monter, vous n'avez toujours pas perdu vos cryptos. C'est quoi un stablecoin? Mais Dany, c'est quoi un stablecoin? Ah, donc c'est... En gros, c'est l'USD ou l'euro, mais sur la blockchain. Donc, il y a des boîtes centralisées qui disent « Si tu me donnes 100 euros, je vais te donner 100 euro token. » Et tu pourras utiliser 100 euro token sur la blockchain. Donc, les données à des smart contracts pour avoir... Un livret A un peu plus puissant qu'un livret A. On parle de retour sur de ROI, de retour sur investissement de 4,4%, 5%. Le livret A aujourd'hui, c'est 0,5%. Et bien sûr, c'est de la blockchain, donc c'est totalement net d'impôts. Normalement, non, mais voilà. Après, ce qui fait peur aux gens, je pense aussi, c'est la volatilité du truc. Enfin, moi qui suis ça de très loin, ça passe de 20 000 à 10 000 en quelques jours. Ça peut arriver en quelques heures, et je pense que c'est ça aussi qui fait peur. C'était une de tes questions, Marcel, au début, mais j'ai l'impression que... Et ce sera la dernière question. On répond un peu finalement à la question qui est pourquoi est-ce que ça fait 10 ans qu'on parle de la blockchain? Moi, je voulais un peu t'entendre là-dessus, mais on t'a entendu là-dessus, Dany. Pourquoi est-ce que la blockchain ne devient pas en fait notre quotidien et pourquoi ça ne s'est pas tant démocratisé? C'est parce qu'en fait, il y a quand même un niveau de complexité. C'est trop complexe en fait en termes d'UX, en termes de... C'est pas adapté à un utilisateur lambda en fait. Il faut un certain niveau de connaissance. Ça demande trop d'efforts en fait venant de la population, enfin des gens, ça donne, tu vois, il y a plusieurs bloqueurs. Je pense que le premier bloqueur, c'est pas la tech, tout est là. Hein. C'est des marchands, ils pourront accepter. Il y a plein de wallets, ils pourront accepter des cryptos. Le gros problème aujourd'hui, c'est la régulation. Il y a qu'aujourd'hui, par exemple,
Moi, je travaille chez Dior, je ne peux pas être payé en crypto. C'est quand même. Voilà. C'est parce que la loi française ne t'autorise pas à payer des employés en crypto. Tu ne peux pas avoir une trésorerie en crypto. Tu es obligé de repasser dans le monde du fiat. Jusqu'à ce qu'il y ait un projet de banque centrale pour avoir l'euroté. Donc, ça va changer. Pour l'instant, c'est trop compliqué. Mais le jour où c'est accepté partout, de toute façon, tu ne payes plus les. Enfin, on se rend compte, tu as un business, tu payes 4% juste pour la payment gateway. 4% de flat fee. La flat fee. Après, tu payes encore un fee en plus par rapport au coût de ta transaction. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, la blockchain, ça va réduire par 1000 le coût des transaction fees. Donc, il n'y a aucun intérêt à continuer dans le système actuel. C'est exactement comme l'email et la lettre. Les réseaux de paiement. Okay. Les banques, ça arrive. Du coup, ça marche. Clément, est-ce que tu suis l'actualité produit en ce moment ? Oui, chef, bien sûr. Oui, chef. Bah, heureusement que tu dis ça quand même, t'es chez Weibo, il faut le dire. Bah, donc, on va lancer forcément la rubrique qui est la plus attendue et qui est la plus appréciée quasiment de l'After Produit. J'ai nommé le Rewind Produit. Hello, la communauté produit. Éreinté par cette fin d'année et la monotonie du confinement, les fêtes de Noël vous semblent encore à des années-lumière ? Ça tombe bien, l'équipe du Rewind a scanné toute l'actu et vous a déniché le nec plus ultra des infos produits. Au programme ce soir, du confinement, des avatars, des API, du streaming et tutti quanti. En gros, du produit, encore du produit. Et pour en profiter, vous n'avez qu'à vous installer confortablement sous un plaid devant la cheminée. C'est un peu Noël avant l'heure, le Rewind 3ème, chaud devant. Avec le confinement, c'est tout un pan de l'économie qui tremble. Du système D aux solutions payantes, la crise pousse collectivités, commerces et entreprises à innover pour s'en sortir. Mise en place par les mairies et la presse locale d'annuaires recensant les commerces proposant du click and collect, mise en relation avec des agences pour créer rapidement des sites web et augmenter la visibilité de ces petits commerces, ou solutions plus haut de gamme proposant de faire son shopping chez son boucher de quartier depuis son canapé, comme la start-up Épicerie ou autre exemple de marketplace local. C'est décidé, cette année, je commande mon sapin en ligne. Amis sportifs, les températures baissent, les journées raccourcissent et votre motivation pour aller courir en a pris un sacré coup ? Eh bien, pour vous remotiver et dépasser vos limites, nous avons la solution idéale. Courir après un avatar virtuel. Lancé par Ghost Pacer, ces lunettes de réalité augmentée vous permettent de courir après un hologramme. Programmez l'itinéraire et la vitesse de cet avatar, sautez dans vos baskets et essayez de vous dépasser en le dépassant. Attestation dans la poche, évidemment. Au supermarché, on peut toujours faire appel à Yuka pour en savoir un peu plus sur la qualité des produits. Et si on faisait pareil avec les milliards de tweets, commentaires et articles échangés chaque jour sur le net ? C'est exactement ce qu'ambitionne de faire la startup Factmata. Son API s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser tout contenu et lui attribuer une note sur une dizaine de critères. Parmi ceux-ci, propos haineux, biais politiques, racisme ou encore ton menaçant. Et si vous avez le cœur bien accroché, le site Bleeper propose une sélection de tweets repérés par l'API, venant uniquement de comptes avec plus de 10 000 followers. Ça laisse songeur et donne envie de dire un grand bravo à Factmata. Il faudrait des heures pour expliquer la vision complète d'Alethea. On passe sur la marketplace d'avatars et ses avatars basés sur de la crypto-monnaie pour s'intéresser aujourd'hui à une proposition plus simple. À partir d'une seule photo uploadée, le service permet de créer un avatar. Encore plus fort, cet avatar s'anime et prononcera le texte de votre choix dans plus de 40 langues, le tout sans jamais taper une seule ligne de code. Tout n'est pas parfait, mais cela ouvre des perspectives énormes. Chatbot, jeux vidéo, avatar de visioconférence. Mais promis, cette voix off n'est pas encore synthétique et Marcel et Louis ne sont pas des cyborgs. On zappe tout de suite sur la planète Netflix. Depuis début novembre, le géant teste sur le marché français une approche quelque peu opposée à son offre habituelle. En effet, Netflix Direct propose une programmation linéaire. Film et épisode s'enchaînent sans que le spectateur n'ait à choisir le contenu suivant. Paradoxe pour le roi du streaming et de la VOD ? Pas du tout. Netflix y voilà une réponse à l'attente de certains consommateurs qui n'aiment pas ou ont du mal à choisir leur contenu. Et puis après tout, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, alors pourquoi Netflix n'essaierait pas ? Place au paiement mobile. WhatsApp a récemment reçu l'autorisation de déployer son service de paiement mobile sur le marché indien. Compatible nativement avec UPI, le système de paiement mobile unifié du pays, WhatsApp compte sur ses 400 millions d'utilisateurs actifs pour s'octroyer une belle part du marché. Deux gros bémols cependant, d'une part, le déploiement du service n'est autorisé que sur 20 millions d'utilisateurs, et surtout, aucun des différents services autorisés ne devra réaliser seul plus de 30% des échanges. Au final, une autorisation aussi bancale qu'un scénario de film bollywoodien. Le bien-être grâce à la tech, c'est possible. S'arracher les cheveux ou encore se ronger les ongles sont des comportements compulsifs difficilement contrôlables, car le plus souvent totalement inconscients. Alors comment s'en sortir ? Kin commercialise un bracelet connecté qui reconnaît ses comportements et alerte discrètement l'utilisateur. La nouvelle version du produit joue plus que jamais la carte de l'outil thérapeutique et de l'accompagnement personnalisé. En effet, en analysant les données, l'application recommandera au patient la stratégie d'adaptation la plus efficace pour lutter contre ses comportements. Dites enfin adieu à vos tocs et bonjour à la sérénité. Simple, efficace, bravo Kin. En voiture Simone, Honda a annoncé la commercialisation des premiers véhicules autonomes de niveau 3 début 2021. Ce niveau est considéré par les experts comme le premier palier de l'autonomie réelle. À ce niveau, si le conducteur doit pouvoir intervenir sur demande du système, il n'est plus tenu de regarder la route en permanence. En effet, c'est désormais la machine qui contrôle totalement son environnement. Avec les annonces récentes de Tesla, la course pour l'autonomie complète est désormais plus que lancée.
Côté utilisateur, les questions ne manquent pas, qui sera responsable en cas d'accident, et surtout, acceptera-t-on de voir le conducteur regarder une série ou faire la sieste? Ok Google, dessine-moi un vélo. Dans le cadre d'un projet de recherche, Decathlon et Autodesk ont testé la conception générative. Ce procédé vise à inverser l'approche traditionnelle du design produit. Si d'habitude des idées sont générées par des designers puis soumises à des simulations, la conception générative met intelligence artificielle et machine learning au cœur de l'exploration design. En respectant toutes les contraintes qui lui sont données, le logiciel explore des solutions et conçoit plusieurs designs affinés par la suite par les designers. En simple, la promesse de design out of the box, optimisant technicité et coût de production, est surtout un fabuleux outil d'exploration design pour nos amis concepteurs. Et si je vous demandais de... Hello la communauté produit. Éreinté par cette fin d'année et la monotonie du confinement, les fêtes de Noël vous semblent encore à des années-lumière? Ça tombe bien, l'équipe du Rewind a scanné toute l'actu et vous a déniché le nec plus ultra des infos produits. Au programme ce soir, du confinement, des avatars, des API, du streaming et tutti quanti. En gros, du produit encore. Bon, petit problème technique, désolé pour cette petite coupure, ouais, c'est les lives, malheureusement en plus c'est les derniers Rewind de l'année 2020. Bah justement, Dany, Clément, Loulou, quel est finalement le produit qui vous a le plus choqué ou le plus plu, tout simplement, de ce Rewind? C'est qu'on va tout droit vers un air à la Terminator avec le fait de deviner les émotions des gens par écrit et que les IA vont nous contrôler. Ça me fait peur. Ça laisse place à trop de choses dans mon imagination. Moi, ça me fait peur. C'est ça qui m'a choqué. Et vous, Clem? Alors, moi, ce qui me rend très perplexe, c'est WhatsApp qui processe des paiements. Ça me ramène à quand j'étais en Chine sur WeChat. Je ne me suis jamais senti très, très bien par rapport à ça. Pourquoi? WhatsApp, c'est des messages. C'est gère pas mon argent, quoi, justement. C'est deux choses différentes, vraiment, deux produits différents. On parlait d'indépendance avec les cryptos et j'aime beaucoup mon indépendance. Là, je peux pas Facebook touche pas mon argent. et Dany? Moi, un peu plus comme Louis, mais côté Matrix Terminator. Je travaille dans le milieu, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. Enfin, après, je travaille pas dans l'industrie d'IA, mais ça me fait un peu peur quand même. Ça fait un peu. Où est l'humain dans tout ça? D'ailleurs, il y a eu une nouvelle qui est passée hier. Je sais pas si vous l'avez vue, mais Slack s'est fait racheter pour 27 milliards de dollars par Salesforce, si je ne m'abuse. Exactement. Et parce que j'aurais pensé Microsoft qui l'aurait racheté, mais finalement c'est Salesforce. C'est assez dingue de se faire racheter. Est-ce que ça va pas nuire à Slack par exemple de se faire racheter comme ça? J'ai peur sur les intégrations, moi. Je t'avoue. Ils vont nous faire payer toutes les intégrations, le moindre hook va être payant. Ça, c'est la question qui m'habite. Et moi, ma crainte, c'est par rapport au prix, parce que c'est 27 milliards, ça me paraît énormissime. Et les seules choses qui coûtent aussi cher, c'est quand on touche à la donnée personnelle, je pense. Donc, c'est plus ça qui me fait peur, mais de rien, Slack, c'est le réseau d'entreprise. Il y a plein de toutes les infos qui passent par là. Ça peut un peu faire dresser se hérisser le poil, disons. On peut avoir un peu peur. Il y a Andrea qui répond justement aussi WeChat décentralisé SVP. Ce serait top d'avoir un WeChat qui soit décentralisé. Dany, est-ce que tu aimes bien l'astrologie? Est-ce que tu regardes un petit peu les signes, les choses comme ça de temps en temps? Je regarde les courbes des cryptos, donc c'est un peu de l'astrologie. C'est un peu la même chose au final, ceux qui préviennent sur Twitter. Du coup, je vais te présenter le meilleur astrologue produit du monde qui s'appelle Louis. Renommé. Et du coup, je lance l'astro produit. Tu me dis quand c'est bon, Marcel. Du coup, Louis, qu'est-ce que l'astro produit? Mais qu'est-ce que l'astro produit? C'est la rubrique phare. Hein. Tu disais le rewind tout à l'heure, je l'ai pris pour moi, mon Marcel. La rubrique phare de l'after produit, et là on en est à la troisième fois, mon cher Dany. Donc si c'est ta première fois des astros, bienvenue donc dans cette rubrique, tout le monde. On avance donc après les balances, après les scorpions, on est maintenant au sagittaire. Donc je vous fais un rapide récap du signe. Donc les scorpions, c'était la mort, la destruction, hein, globalement c'était un signe vraiment qu'on n'aimait pas. On a perdu en plus des gens fabuleux, on a perdu des dieux du sport et même du stade, hein, pendant ce mois-là. Donc là on attaque un signe vraiment plus sympa, les sagittaires. C'est un signe qui donne l'espoir en fait, qui laisse espérer de grandes nouvelles pour la fin d'année. Sagittaire, c'est le signe de l'optimisme, de la positivité et même de l'étranger.
Donc, c'est quand même des mots qu'on a un peu eu tendance à oublier en 2020, qui ont un peu disparu du langage. Donc, bam, on nous les rappelle là pour ce dernier mois de 2020. Donc, tout va changer. On va être optimiste. Donc, sur vos produits, vraiment, soyez optimiste. On va pouvoir sortir la feature avant 2021. On va pouvoir tenir les deadlines au niveau du développement pour les devs. On va pouvoir passer les 4 étoiles sur le store avant Noël. Donc, plein de bonnes nouvelles. Vraiment, c'est un bon signe, mais qui cache une face cachée assez tenace. Je vous explique, la planète associée, c'est Jupiter. Donc, sur toutes les planètes, choisissez la plus grosse, la plus belle. Voilà, donc ça traduit en fait un peu le melon des Sagittaires. C'est un signe vraiment qui se la pète. Je vais citer une description très sérieuse. Le signe représente les hautes études, l'intelligence et le mental supérieur. Donc voilà, on admet déjà qu'il y a un mental inférieur. Donc, ça veut un peu dire que les astrologues chinois ont inventé un peu la discrimination avant même que ça existe. Donc, voilà, il y a différents niveaux. Donc, vous êtes Jupiter, vous êtes un peu trop intelligent pour le reste. Donc, on redescend un peu d'un étage. Au niveau produit, en fait, ça c'est pas très bon. Au niveau des PO, vous avez une mélanite aiguë. Donc, on redescend, on écoute ses utilisateurs. On ne fait pas une phase de discovery hein, sans interview, sans persona, sans test. On arrête les... Non, mais fais-moi confiance, je connais les users. Voilà, on descend de son melon. Par exemple, chez Ledger, voilà, il y a un porte-monnaie en forme de clé USB. Je pense pas... Alors, Dany, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense pas que le créateur de l'outil a lancé ça sans recueillir les besoins utilisateurs. Donc, voilà, 2021, les Sagittaires, on va se remettre en cause un peu et un peu plus écouter les users et les équipes. Du côté du design, en revanche, vous, c'est plutôt bon parce que, bon, vous pouvez avoir de la frustration régulièrement de peut-être pas être écouté. Donc là, au contraire, vous avez ce mental supérieur, justement. Donc, on vous fait confiance. Donc, allez-y à fond, les designers Sagittaires. En plus de ça, donc vous êtes orienté vers l'étranger. Donc, inspirez-vous de ce qui se fait. On a vu dans le Rewind, il n'y a pas que les grandes boîtes qui font les Amazon, les Google, qui font des choses sympas. Il y a aussi des petites PME étrangères. Donc, on va chercher de l'inspiration de ce côté-là. C'est vraiment un mois qui va laisser de belles possibilités à ce niveau-là. Au niveau des développeurs, alors après le mois pourri des Scorpions, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais où on killait vraiment vos features, là, vous êtes bien mieux. Vous êtes peinard justement en télétravail. Donc, vous êtes au-dessus justement de tout ça. Vous vous dites, voilà, le marketing ne comprend pas la tech. Donc, je vais me débrouiller. Je suis au-dessus de tout ça. Donc voilà, vous êtes profitez un peu de cet alignement de planètes avec Jupiter, mes chers devs. Donc voilà, le signe Sagittaire, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un signe de feu. On a une petite pensée pour Romain Grosjean, le pilote de F1, qui a mis à l'honneur le signe ce week-end. Il va bien, vous inquiétez pas. Il y a les prochains signes, c'est bien sûr les Capricornes, signe de terre. On espère qu'on va pas faire un mauvais parallèle et qu'on va bien toucher nos... qu'il n'y aura pas de tremblement de terre, qu'on va tous aller bien et qu'on va bien finir 2020 comme il le faut. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, Dany, je ne sais pas si tu es Sagittaire, je ne sais pas quel est ton signe. J'espère pas t'avoir trop, que tu ne te sois pas senti trop touché ni blessé. Non, c'est bon, je suis Bélier. Bélier. Ça va. Ah, j'aurais bien aimé le Sagittaire, du coup, ça a l'air cool. Bah, écoute, je le suis. J'ai été le plus impartial possible. Donc voilà, j'ai visiblement une mélanite aiguë. Voilà tout. On a d'autres Sagittaires, non, je crois, aussi chez Weevoo ou pas. Ah, Clément, t'es quoi, toi? Moi, Scorpion, et j'ai assez mal pris Scorpion. Le mois dernier. Ah. Assez compliqué pour les Scorpions. T'as quand même accepté de venir à l'émission, donc ça va, tu m'en veux pas trop. C'était juste. Hein. On a Little Marina qui te pose la question. Et toi, Louis, c'est quoi ton signe? Du coup, je suis Sagittaire, donc j'applique tout ça à moi. Je ne sais pas à quel point il faut croire vraiment à l'astrologie. Je pense que il faut laisser libre cours à comment est-ce que ça nous inspire, comment est-ce qu'on se reconnaît vraiment dans la description de l'astrologue. Et étant donné tous mes diplômes, en astrologie, je pense qu'il faut vraiment me faire confiance sur le fait qu'il faut redescendre d'un étage. Et je le fais du coup de suite et je laisse la parole pour la suite. D'ailleurs, Romaïssa rebondit par rapport au Scorpion qui dit que c'était un peu violent pour les Scorpions. Je suis désolé, Romaïssa, en plus qu'on salue, qui était venu du coup, qui et était oui. Le précédent invité. Et Jennifer et qui nous dit du coup qu'il y a Chloé, Thibaut et Déborah qui sont Sagittaires chez Weevoo. Chez Weevoo. Et on les embrasse également. On les embrasse et c'est pour ça que justement on va parler un petit peu de Weevoo. Je sais pas si vous connaissez. Clément, un certain Clément qui a fait des trucs. Et pour cela, en fait, on va lancer la minute des marines, tout simplement.
Salut Marine. Bon bah une fois n'est pas coutume, on peut pas se retrouver au phare, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas discuter des Weavers depuis nos ports d'attache respectifs. Et oui, même si nous sommes éloignés, mais comme on dit, loin des yeux, près du cœur, pour cette deuxième minute, on a décidé de vous parler de Clément, un moussaillon passionné, mais surtout passionnant et très très engagé chez Weavoo, qui s'est lancé pour objectif d'émanciper les Weavers de la contrainte technique si d'aventure ils voulaient lancer un side project ou même leur vrai business. Oui, il faut savoir qu'à la base, Clément, c'est pas un dev. Il a plutôt un profil d'école de commerce et il est allé se frotter au code parce qu'il avait un vrai besoin, un besoin d'entrepreneur. Par exemple, un jour, il a eu besoin de développer un chatbot. Alors, comment il a fait ? Bah, il est allé chercher sur Google comment développer un chatbot. En fait, cet état d'esprit qu'il essaie d'insuffler à travers la Tribe Innovation à tous les Weavers. Et c'est à ce moment-là, après avoir développé en moins de 2 semaines et lancé un escape game virtuel pendant le premier confinement, le fameux Piñata Games qu'on a tous adoré, qu'il s'est décidé à lancer via la Tribe Innovation des InnoGames qui ont donc pour objectif de sensibiliser et d'émanciper, comme il aime à le dire, de la contrainte technique, les Weavers. La règle, sa règle de base de ces fameux InnoGames, c'est simple, c'est qu'ils soient accessibles à tous, pas besoin de compétences techniques, mais bien des personnes curieuses qui sachent lire une documentation et comprendre un problème. Jusque-là, tout va bien. Oui, effectivement, jusque-là, ça peut aller. Donc, le format de ces InnoGames, en fait, c'est 1 heure, 1 fois par mois, sur une thématique. La première thématique, c'est comprendre les fondamentaux du web, et ça se présente sous forme d'une trilogie de jeux. Le premier jeu, c'était API Quest Village, dont le but était vraiment de comprendre les API. Donc, ça se présentait sous la forme d'un RPG sans interface graphique. Le deuxième de ces jeux, c'était la création de l'interface graphique qui allait avec ce jeu. Donc, la Tribe Inno a fourni aux Weavers des outils no-code et des user stories, et chaque équipe devait créer cette interface graphique. Histoire que ce soit un petit peu fun, il y avait une compétition entre les différentes équipes pour savoir qui allait faire la plus belle interface. Et enfin, le troisième et dernier épisode montrait l'intérêt d'une base de données pour vraiment apprendre aux Weavers à faire des requêtes sur des données pour qu'ils puissent analyser et améliorer les parcours de leurs produits. Et ces InnoGames, contre toute attente ou pas, finalement, on les a trouvés très très bien et ils ont déclenché un vrai engouement chez Weavoo, puisque les participants, et c'est là où on a été hyper hyper enthousiastes et hyper contents, ce sont aussi bien des product managers que des personnes du siège, des RH, des sales. L'approche hyper pédagogique initiée par Clément au travers de ces InnoGames désacralise et rend accessibles les notions tech de base et surtout donne envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, on a même certains Weavers qui ont utilisé leurs connaissances nouvellement acquises. Voilà, notamment, on pense à un certain Samuel pour des billets d'avion vers le Mexique. Et puis, on a également Clément qui nous a fait une petite opération assez marrante. On laisse la parole à Clément. Retour sur le haut plateau. Il va tout vous raconter. Très tenté, effectivement, de faire des... Mais Clément, dis donc, qu'est-ce que tu fais tu fais pas mal de choses chez Weavoo en tant que lead tribe. Et bah, du coup, oui, effectivement, je fais 2-3 trucs. Et en fait, pour la petite histoire, c'est tout cet attrait vers l'innovation, vers la tech, vient principalement de Dany, qui, un jour, alors que je lui demandais gentiment de l'aide pour automatiser des tâches, au lieu de m'aider en développant lui-même la chose, il m'a dit bah, « Tiens, t'es PO, pourquoi t'apprends pas à coder, tout simplement ?» et en fait, tout est là pour moi. J'essaie d'être le Dany de tout le monde, j'essaie d'être un peu cette personne qui te dit « Mais si, tu peux faire les choses, regarde, viens, on va apprendre ensemble. » Voilà. Tout le monde mérite un Dany dans sa vie. Et donc, c'est à cause de toi, Dany, qu'on a un fou furieux chez Weavoo, en fait. J'aimerais bien. Si ce serait vrai, j'aimerais bien. Un fou furieux qui, avec API Quest Village, si je le prononce bien en franglais, bien barbare, Clément, tu nous as bien amusé quand même. API Quest Village. Ah ouais, non mais attends, même quelqu'un comme moi comprend ce qu'est une API, donc il fait bien les choses quand même, le barbare. Et du coup, vous avez la chance de voir ça, alors que c'est vraiment interne à Weavoo, et il y a pas mal de personnes, même des sales, si je ne m'abuse, qui ont fait cette API Quest Village, le volume 1, et maintenant il y a le volume 2 qui arrive, donc c'est vraiment assez cool quand même de voir des personnes qui ne sont pas forcément issues du monde de la tech, comme Dany peut l'être, s'amuser avec l'API. Ah, moi, c'est génial. Tu l'as productivé, enfin tu le vends ton. Il y a des personnes, ça pourrait les aider. On va vendre ça à toutes les marchés parisiens.
Bon, Clément, on parle innovation. Tu es le lead tribe de l'INO. Je pense qu'on va lancer directement le Serious Talk. Je remets mes lunettes que je venais de mettre. Alors, pour être sérieux. Et pour être sérieux, ben, donc c'est le Serious Talk. Bon, Clément, Serious Talk. Qu'est-ce que c'est ton Serious Talk de ce mois-ci? Alors, c'est là où je me lève, je vais prendre une voix sérieuse et je vais regarder l'écran avec passion pendant que je lis mes slides. Et on ne voit pas du tout le bon écran, je pense, Clément. On voit le Discord. Ah bah mince, ça c'est très dommage. c'est quand même... On va le refaire. C'est les aléas du direct, hein, comme l'a dit Clément. Mais sinon, en tout cas, on a beaucoup de retours positifs sur ce que tu as pu mettre en place, justement, Clément, par rapport à l'API Quest Village. Et là, normalement, on voit bien mon écran. Exactement, oui, on voit bien ton écran. On voit une jolie fusée. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation, agilité et product management. Et donc, comment tous ces différents concepts interagissent ensemble. Donc la première chose que je voulais un peu essayer de définir, c'était bah, c'est quoi l'innovation et quels sont les grands concepts qui existent. Donc pour ça, je suis allé voir Schumpeter, qui est grand auteur sur l'innovation et qui était notamment la personne qui a mis en évidence le concept de création destructrice. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une création destructrice, hein? C'est quand on a, bah, par exemple, la blockchain qui va rendre obsolète tout le métier de la banque. Voilà. Donc, c'est dommage pour les banquiers, mais c'est l'innovation qui, du coup, transforme le monde. Et ces innovations, du coup, passent par plusieurs phases. Donc, on a la phase d'invention, pure découverte. Ensuite, on a l'innovation. Donc, je fais un parallèle, c'est trouver le market fit. Donc, comment prendre cette invention et la vendre à tout le monde. Et ensuite, on a la diffusion. Donc, c'est là où on voit tout le monde qui va imiter. Et la première question que j'aimerais vous poser, moi, c'est d'où vient, en fait, l'innovation? Il y a plusieurs personnes qui se battent à coups d'articles universitaires dans la tête. Mais du coup, est-ce que ça vient de la demande, donc en saisissant une opportunité, ou est-ce que ça vient de l'offre, c'est-à-dire j'ai une super idée et vu que mon idée elle est super, tout le monde va l'acheter. Du coup, ma grande question, c'est d'où vient l'innovation et qui a demandé le Mac Baguette? Je pense qu'on va avoir tous faim maintenant. Merci. Voilà, donc je vous pose la question dans le chat et même sur le plateau, hein, c'est qui a demandé le Mac Baguette? Est-ce que cette innovation, c'est quelqu'un qui s'est dit je vais mettre deux steaks dans du pain, je vais s'appeler ça le Mac Baguette, ou est-ce que nous on en avait vraiment envie? Parce que pour l'histoire quand même, hein, le Mac Baguette, qui est ce sandwich qui est apparu en 2012 et qui a disparu pas longtemps après, est réapparu pendant le confinement. Un peu comme la tectonique au final. C'est réapparu pendant le confinement. Tectonique. Disparu à jamais. Laissons-la où elle est. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des avis sur le Mac Baguette. Alors, dans le chat, on dit du besoin des franchises et l'équipe de l'After qui veut savoir qui a demandé le Mac Baguette. Donc, Je pense que c'est bien une demande d'utilisateur. Je ne pense pas qu'ils l'aient sorti de leur chapeau. Je pense qu'ils ont fait une étude qui n'était peut-être pas super bien faite, mais ça ne m'étonnerait pas que s'ils ont demandé à des gens, ça ne m'étonnerait pas que les gens aient dit c'est une bonne idée. Surtout que j'aimerais bien une baguette avec mon McDo. Surtout que McDonald's, je crois, met des fake sandwich sur les bornes de commande et regarde en fait qui clique dessus. Et juste après, ils disent que le sandwich est épuisé. Et comme ça, en fait, ils peuvent tester l'appétence sur tel ou tel sandwich. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas que ce soit du besoin. C'est les smoke tests dans la real life. C'est mortel. C'est clairement un besoin utilisateur, d'après Adrien. Voilà, donc le Mac Baguette, réel besoin utilisateur et innovation drivée par la demande. Je n'aurais jamais cru dire ça. Donc maintenant, on a vu ce que c'est à peu près une innovation. Maintenant, je voudrais voir un peu ce que fait le produit et l'agilité. Est-ce que ça peut faire dans l'innovation? Est-ce que ça va accélérer les choses? Est-ce que ça va les empêcher? Est-ce qu'il y a des dangers? Donc déjà, voilà, là je vais passer ma petite interro de PO. Qu'est-ce que c'est la différence entre projet et produit? Bon, objectif, quand on est en projet, c'est livrer à temps. Quand on est en produit, c'est livrer le maximum de valeur. Au niveau du flow, on parle de tâches versus d'évolution constante. Sur la planification, on va planifier un effort versus un incrément de valeur. Et le résultat, on regarde est-ce que le plan a été livré versus est-ce que le client est heureux. Voilà. Donc, a priori, en regardant ça, voilà, je vais me risquer à dire que peut-être qu'une vision produit, ça va un peu plus pousser l'innovation.
qu'une version avec des plans. Parce que, a priori, on veut se concentrer sur rendre le client heureux. Mais on va pouvoir débattre de ça tout à l'heure. Après, moi, je suis allé voir le manifeste Agile et le manifeste Scrum. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Le manifeste Agile nous dit les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Il nous dit aussi des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Après, ils nous disent la collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle et l'adaptation au changement plus que le suivi du plan. Donc là, on a l'air d'être dans quelque chose qui est très évolutif, où on va privilégier le résultat. Donc, encore une fois, ça a l'air d'aller dans le sens de l'innovation. Et dans le manifeste Scrum, on a courage, engagement, focus, ouverture et respect. Bon. Alors maintenant qu'on a les bases théoriques de ce que c'est que le produit et l'agile, je vais vous parler des mails. Pourquoi ? Parce que j'adore le sujet des mails, en fait. Donc, peu importe le sujet, j'allais trouver une raison de placer les mails à l'intérieur. Pour moi, c'est une super invention. C'est le premier use case d'Internet. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi la blockchain, ça n'arrive pas. Ben, je suis sûr qu'ils se demandaient pourquoi Internet, ça n'arrive pas, jusqu'à ce qu'on trouve les mails. Est-ce que vous savez un petit peu d'où ça vient, les mails, sur le plateau, avec moi ? C'est une représentation virtuelle de ce qu'il y a dans la vraie vie avec les lettres postales. Mm-hmm. Ils se sont dit, tiens, pour aller plus vite, pour que ça aille plus vite, pour de transmission d'informations plus rapide à l'autre bout du monde. Dany, toi qui as été dans les télécoms, est-ce que tu comprends la transformation fondamentale du mail sur la société ? La disruption. Disruption. Ça a changé ma vie. Voilà, moi aussi, ça a changé ma vie. À chaque fois qu'à 21h, je reçois un mail qui dit « Clément, il faut qu'on parle d'eux », ça transcende ma vie. Non, je pense que c'est le vrai premier digital process. C'est digital. Voilà, c'est pour moi, c'est le premier use case global d'Internet. Justement, il y a dans le chat Matter qui te dit « Première application du TCP/IP ». Voilà, donc alors, je ne vais pas commenter sur ce qu'est le TCP/IP parce que je n'ai pas envie de perdre tout le monde, mais on va en parler très légèrement dans le point numéro 3, il me semble. Donc en gros, comment ça marchait les mails, d'où ça vient ? Donc en 1965, on savait s'envoyer des messages sur des ordinateurs. Mais c'est-à-dire que mon ordinateur, donc l'ordinateur que j'ai devant moi, envoyait un message à l'ordinateur de Marcel. C'est-à-dire que si Marcel changeait d'ordinateur, il ne recevait jamais le message. Ce n'était pas ultra pratique. Ensuite, on a eu l'invention de la messagerie sur un même réseau. Donc c'est-à-dire que si Marcel était chez moi et qu'il avait son ordinateur chez moi, j'aurais pu lui envoyer un message. Voilà, mais sans l'Internet et toutes ces jolies choses, ça s'arrêtait là. Donc à l'époque, comment c'était utilisé ? C'était surtout pour s'envoyer des informations et des documents dans les universités. Après, en 71, on a inventé le message direct. Donc, c'est là où, justement, on a inventé le arrobase. Et donc, rapidement, en fait, on avait les messages avant, puis on a créé le mail, et rapidement, en fait, tout le réseau est passé sur les mails. Donc, c'est là où on s'est rendu compte que, waouh, un message direct à une personne, c'est fou. Je peux dire, envoie un message à Marcel, et Marcel, s'il a deux ordinateurs, eh ben, il peut ouvrir son message sur les deux ordinateurs. Trop fou. Et du coup, il peut me répondre, et on peut avoir une conversation, et il y a un mail. Incroyable. Donc, cette technologie qui était super à l'époque, mais qui était surtout utilisée dans le milieu universitaire, les providers Internet en fait, ont commencé à la commercialiser, donc à faire des boîtes web, qui est super. Mais donc, du coup, il fallait que Marcel et moi, on soit sur le même software pour s'envoyer des emails. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'ai un Gmail, j'envoie un mail à Marcel sur son Yahoo, ça n'existait pas encore. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a commencé à mettre des normes. Par exemple, la norme MIME, ce qui fait que, du coup, maintenant, vous pouvez envoyer un PowerPoint dans un email ou une photo. En 98, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché s'est emparé de cette innovation. On a commencé à inventer le spam. Voilà. Donc là si on regardait nos trois phases, on a eu clairement la phase de recherche qui était sur le point 1 à 3. Puis en 4, le marché s'est emparé de ça, et puis on a commencé à découvrir des nouveaux use cases, à évoluer, et ensuite pour finir par créer Gmail, Hotmail, pouvoir ajouter des fonds, pouvoir faire des mails en HTML, faire du spam, et toutes ces jolies choses.
Donc là, évidemment, il y a eu beaucoup d'innovation. Il y a eu de l'innovation sans le produit, enfin sans forcément d'approche produit. Et maintenant, je vais prendre un autre exemple, qui est l'exemple de Facebook. Alors Facebook qui a aussi révolutionné nos vies. Et là, je vous ai mis quelque chose moi, qui m'ont interpellé, hein, des innovations de Facebook. Donc Facebook, ils ont inventé quoi? Ils ont inventé le mur, Facebook Messenger, Beacon, Facebook Marketplace. Ils ont inventé des bases de données, ils ont inventé des intelligences artificielles. Et sur le mail, ça a duré 40 ans. Sur Facebook, ça a duré à peine 10 ans. Et donc c'est là où je voulais poser la question, vous, sur le plateau et dans le chat. En fait, est-ce qu'on ne voit pas là le résultat du product management, en fait? Et quels pourraient être les facteurs qui font que Facebook a autant innové en si peu de temps versus le mail en si longtemps? Du coup, moi j'avais... Vas-y, ouais. Louis. Non, ouais, pour réagir à ce que tu dis, Clément, Facebook, tu vois, je pense qu'à la création, ils ne savaient pas encore que ça allait devenir le Facebook qu'on connaît. Donc, à la limite, c'est effectivement, pour moi, c'est peut-être, tu parlais tout à l'heure dans tes phases d'innovation, de l'invention, puis le comment est-ce qu'on le met en place aussi au niveau opérationnel, j'ai envie de dire. La deuxième phase dont tu parlais, je pense que Facebook a très bien réussi l'après-invention, mais au niveau de... Mais il y a eu cette part de chance, peut-être, que ça trouve un marché supplémentaire. À la base, Mark Zuckerberg, c'était juste pour le campus, pour mettre en place, voilà, pour montrer des profils. Et en fait, ensuite, effectivement, ça a pris de l'ampleur. Mais je suis plus d'accord avec le process des mails qui ont effectivement pris du temps pour tout disrupter. Et ça a été, comment dire, on a itéré sur les mails, on a vu comment ça évoluait. Facebook, j'ai l'impression qu'on poussait les fonctionnalités et on les enlevait si ça ne servait pas. C'est-à-dire que ce que les mails ne pouvaient pas du tout le faire parce qu'Internet n'était pas du tout aussi développé. Donc, à la limite, Facebook a utilisé la rapidité d'Internet pour avancer en itération, pour faire du produit. Mais les mails ont éventuellement fait la même chose, mais sur une échelle de temps bien plus longue, dû au fait que ça prend longtemps en fait de déployer des innovations dans le monde. Donc plutôt d'accord avec toi, mais est-ce que la logique dès le début c'était par exemple de Mark Zuckerberg, je vais faire quelque chose adapté aux utilisateurs? Je sais pas, je pense qu'il a d'abord servi lui-même avant les autres, ce qui est pas la meilleure méthode. Il y a justement des réactions dans le chat. Romessa qui dit Facebook a fait du test and learn produit dès le début. Et c'est en fait quelque chose qui est hyper important, je pense, dans le monde actuel où on est toujours à la recherche d'innovation. La culture du swipe existe, et que ce soit sur les applications ou du coup sur les personnes maintenant. Et en fait, si on n'est pas dans cette approche produit, on ne pourra plus forcément innover. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on innove de plus en plus rapidement. Quand on voit par exemple la blockchain, c'est innovant, vraiment, dans le vrai sens du terme. Et ça n'a pas mis des millions d'années à être créé, ou en tout cas des dizaines d'années à être créé. Quand ça a été créé, ça a été fait, et après, il y a eu vraiment des transformations qui sont assez énormes, et je pense que de plus en plus, on va avoir des transformations énormes avec la réalité virtuelle, par exemple. C'est quand même quelque chose d'innovant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèque justement, ce test and learn, toutes les valeurs qu'on essaie de communiquer par le produit et par l'agilité. Mais je voulais vous soumettre une autre théorie que j'ai en tête. C'est la théorie de la complexité. Donc en fait, on a deux manières d'assimiler la complexité dans une entreprise. Soit on va absorber la complexité, donc c'est-à-dire on va créer plein de centres décentralisés de décision. Soit on va réduire la complexité, c'est-à-dire pour la comprendre, on va simplifier pour la remonter à des échelons supérieurs qui prendront une décision. Et il a été montré que, du coup, l'absorption de la complexité permettait d'évoluer plus facilement et plus rapidement dans des milieux complexes, changeants et dans l'innovation. Voilà, c'était ma petite théorie, en fait, et je trouve ça très important. Les product owners, product managers et même les équipes Scrum, en fait, c'est exactement ça, c'est l'absorption de la complexité, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un DG tout puissant qui prend toutes les décisions et à qui on va expliquer les problèmes en les simplifiant au maximum, on va donner aux équipes la capacité de prendre des décisions et d'interagir sur des problèmes complexes sur lesquels ils ont une pleine compréhension. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, complètement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le principe d'autonomie en fait, des équipes, qu'elles soient complètement autonomes.
et qu'elle puisse livrer finalement un produit de bout en bout. C'est une des bases du product management, d'aller de cette phase exploratoire, de phase de discovery, d'ailleurs que Romaïssa adore et que tous les PM adorent, parce qu'on tend de plus en plus vers ça, pour s'éloigner un peu de delivery que l'on faisait justement quand on était chef de projet, et jusqu'à la phase de mise en production. Et à ce moment-là, on est vraiment complètement autonome parce qu'on connaît extrêmement bien cette complexité, ce sujet-là. Et donc, comme tu le dis, on réduit cette complexité. Voilà, et maintenant, j'avais deux questions pour vous. Donc, blockchain, intelligence artificielle, agilité, c'est super. Mais comment on fait pour manager cette innovation ? Parce que voilà, on l'a vu pour les mails, il a fallu créer des standards, il a fallu créer des règles autour des mails. Si on a plein de petites équipes qui innovent de manière très importante, en fait, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser l'innovation ? Ou est-ce qu'on va créer des Terminators à volonté ? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment on évite le Terminator en fait ? Et ça, c'est une vraie question ouverte que je vous pose. Je pense que tu peux avoir un peu de l'autorégulation en fait. Si tout le monde est très autonome, ça s'autorégule. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Wikipédia en voyant le côté intelligence artificielle, où je mets à l'opposé l'intelligence un peu humaine. Tu vois, enfin, Dany, tout à l'heure, tu disais que dans la blockchain, chacun a un peu son rôle. Chacun a son rôle finalement à prendre dans la blockchain. Un Wikipédia, ça s'autorégule et ça donne des informations de qualité. Donc la gouvernance, en fait, c'est juste que ça va plus être, ça change, enfin ça, c'est radicalement opposé avec ce qu'on a connu au siècle dernier avec effectivement un DG et quelque chose d'assez vertical. La gouvernance, c'est de l'auto, pour moi, c'est de l'auto-gouvernance en fait. Ça va être ce fonctionnement-là, que ce soit en agilité, que ce soit au niveau de la blockchain, c'est chacun régule sa part de responsabilité. Voilà, c'est une partie de ma réponse. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il peut pas y avoir de l'anarchie ? Parce que forcément, tu as toujours des personnes qui ne souhaitent pas respecter les codes. Et comment est-ce que tu fais pour t'auto-organiser avec des personnes qui ne respectent pas ces codes-là ? Et bah tu espères que le pendant de la société, que par exemple, si tu as 10% de gens nocifs, tu espères que tu as 10% de gens très impliqués qui vont supprimer en fait ces gens nocifs et faire en sorte qu'ils soient les rendre inefficaces en fait, supprimer leur action néfaste. Et je pense vraiment que ça peut fonctionner de cette manière-là. Je reprends l'exemple de Wikipédia, mais tu changes quelque chose sur une page Wikipédia, dans la seconde ou dans la minute, il y a un modérateur qui vient et c'est quelqu'un de bénévole. Donc, dans un monde idéal, ça fonctionnerait comme ça, je dirais. Après, je ne suis pas expert. dans le cas de la blockchain, tu as une histoire de staking. Enfin, c'est-à-dire, en gros, tu as quelque chose à jouer. Enfin, on va dire qu'il y a 1 million de tokens. Il y a ce concept de DAO en fait, Decentralized Autonomous Organization. C'est des entreprises décentralisées où tout le monde a de l'ownership dans l'entreprise, parce qu'un token représente de l'ownership et de cette entreprise. Là, par exemple, il y a un token qui est vachement vachement hot, c'est Yearn Finance, c'est YFI. Donc il y en a, je crois, 30 000. Donc en fait, en gros, voilà, il y a des décisions qui sont, quand il y a des décisions à prendre, quelqu'un qui crée une proposal, et après tu stack tes tokens dans le contrat et tu dis moi je vote pour ou contre, et du coup tu votes vraiment tout. Je crois qu'il y a 2 mois il y avait, est-ce qu'on va augmenter les salaires des devs, et vraiment voilà, on va augmenter tel salaire à tel, est-ce qu'on accorde 3% du revenu pour tel partnership, etc., et tout est voté et les gens disent oui ou non tout simplement. Et du coup en fait si tu veux avoir de l'influence sur tel protocole, eh ben, t'achètes du token. Et voilà, donc après, tu peux dire, voilà, tel revenu, je veux que ce soit des dividendes, etc. Et c'est tout est voté. Alors, en fait, la différence par rapport à un Uber, où là, tu as juste l'application, où tu as les chauffeurs de voitures qui ont l'application, les consommateurs, ils ont l'application pour chercher un Uber. Là, tu as des histoires de token, tu as vraiment le monde financier qui rentre dans l'application. Donc, tout le monde a intérêt, enfin, la valeur est vraiment distribuée à tout le monde, à tous les acteurs. Parce que chacun, normalement, se dit, voilà, s'il y a des profits à faire, ben, ça sera bien redistribué. Bon, ça marche. Je sais pas si ça répond à la question. Non, mais... Et justement, Louis, il y a Rémi qui répond par rapport à Wikipédia. Wikipédia a mis en place des comités de relecture et de gouvernance justement pour lutter contre des éditions intempestives de certaines pages. Je vis dans un monde de bisounours. Alors, tu vois, je pensais que c'était des gens bénévoles
qui le faisait. Ouais, bon, ça m'étonne pas. Après, il y a un peu le côté réalité avec une petite gouvernance à mettre en place. Mais ok, ça marche. Merci, cher Ray. Et toi, Clément, justement, comment est-ce que tu vois en fait cette gouvernance ? Alors moi, crypto-anarchiste, fan de la décentralisation, j'aime beaucoup la réponse de Dany, effectivement, qui est de dire si on responsabilise tout le monde, au final, on va arriver à un consensus forcé, entre guillemets, où forcément tout le monde va interagir dans le bien commun. Okay. Après, j'ai pas de. Évidemment, si je pose la question, c'est que je suis intéressé par d'autres réponses. Mais est-ce que dans le produit actuellement, tu penses que c'est faisable dans vos équipes, par exemple chez n'importe quel client ? Est-ce que tu penses qu'en responsabilisant tout le monde, finalement, tout le monde œuvre dans le bien commun et pas dans un but individualiste, par exemple ? Bah, c'est là où on va retomber sur les valeurs de l'agile, c'est que effectivement, si on met le client au centre, qu'on enlève notre ego, qu'on enlève un peu nous de l'équation, je pense que c'est là où on arrive à un système qui peut être plus sain. Mais évidemment, c'est un monde théorique, c'est un monde joli. Après, dans la vie, est-ce que ça arrivera un jour ? On espère un jour. Le monde d'après. Le monde d'après. Merci Clément du coup pour ce serious talk. Je sais pas justement si vous avez des petites questions dans le chat, mais en tout cas il y a Romaïssa par exemple qui te dit que c'est une excellente question, quelle gouvernance par rapport à blockchain, intelligence artificielle ou agilité. C'est finalement, est-ce qu'on vit dans un monde utopiste ou pas, tout simplement. Ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue avec Anso au premier à l'after produit première édition il y a 2 mois maintenant, où on avait commencé à parler un peu d'éthique, finalement, de où est-ce que ça s'arrête, enfin voilà, comment est-ce qu'on gère justement en fait les biais, la notion de nocivité, enfin tout ce qui est nocif en fait sur un produit. Donc automatiquement la gouvernance s'applique, même si effectivement dans un monde idéal tout le monde et régie aux valeurs de l'agile, mais je pense que malheureusement, une fois que tu arrives dans le concret, dans la réalité, tu te heurtes un peu à ces quelques murs. Donc je pense que quelle gouvernance, et il en faut une. Après, il faut choisir celle qui convient le mieux, pour répondre à ce qui est marqué sur ce bel écran. Et ce sera le mot de la fin, du coup, pour le Serious Talk. Et on va... Est-ce que, Dany, est-ce que tu aimes bien jouer ou pas ? J'ai pas encore acheté la PS5. Ah, parce que... Malheureusement. En fait, on a le dernier, qui est simplement l'Happy Hour, qui nous permet en fait de faire un petit jeu pour finir un petit peu, tu vois, en beauté, en apothéose. Justement, on va lancer l'Happy Hour. Tu joues pas la PS5, mais tu joues avec tes enfants. Tu joues avec tes enfants, effectivement. Du coup, dans l'Happy Hour, c'est en fait 2 manches, tout simplement. Avec d'abord un 8 à bout sur lequel justement j'ai un petit peu quand même gagné. Juste merci Romaïssa encore qui est dans le chat. Je préfère le dire, tu vois, je suis quand même champion en titre. Merci Romaïssa, actuellement. Donc il y a 2 manches avec un premier en fait, le 8 à bout. Je sais pas si vous connaissez le tabou ou pas, Dany, Clément. Si tu peux nous rappeler les règles, s'il te plaît. Alors effectivement, c'est assez simple. En fait, vous avez un mot, du coup, à faire deviner à votre collègue, à votre binôme, mais sans utiliser un ensemble de mots. Donc, cet ensemble de mots, normalement, vous avez dû recevoir sur votre portable, tac, le deck. Ouais. Hop là. Alors, les binômes aussi. J'essaie de voir si on a les binômes. Je crois que je suis avec Dany et Clément, tu es avec Louis. Ah, c'est la revanche, hein. Clément, je compte sur toi, parce que Marcel m'a battu au dernier... dernière fois avec Romaïssa. Excusez-moi, on me dit que je suis avec Louis, et en fait, Clément est avec Dany. Désolé, je lis mal, je ne regarde... On va nous réconcilier. Voilà, donc Louis, on ne pourra pas se départager sur cette manche-là, donc je suis un petit peu déçu quand même. On réglera ça... Du coup, alors, le but, c'est de faire deviner un maximum de mots en l'espace d'une minute. Tout simplement. Le binôme qui va commencer, c'est Dany et Clément. Donc, normalement, vous avez reçu un deck sur votre petite application. Est-ce que vous l'avez ouvert ? Tout à fait, monsieur. Qui souhaite commencer, tout simplement ? Faire deviner. Oh, j'ai envie de rigoler, Dany, vas-y. Dany, vas-y, tu fais deviner. Okay. Du coup, tu as 1 minute pour faire deviner un maximum de mots à Clément.
3, okay. 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, je mange beaucoup de pâtes, mais là, c'est pas des pâtes, c'est d'autres. Du riz ? Ouais, mais il y a plein de sauces, c'est tout liquide, et ça s'appelle autrement. C'est souvent de couleur blanche. Un risotto ? Voilà. Un risotto. Un point. Souvent, il y a une grève, toujours, c'est horrible quand tu essaies d'aller au boulot, il y a une grève de fou, c'est horrible. La RATP. Ouais, et comment ça s'appelle l'espèce de truc que tu passes pour pouvoir rentrer dans ce... Vigo. Voilà. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup manger. C'est tu manges à la fin du repas. Un dessert voilà. 20 secondes. Presque, c'est froid. Tu vois, tu fais comme ça. Un yaourt, une glace. Eh ben, de mime, quand même, monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Une glace. Il reste 10 secondes. 3 points. Donc, tout à l'heure, on parlait de Facebook et ils ont racheté. Instagram, ouais. WhatsApp. Instagram. Et en ce moment, là, c'est la même. C'est terminé. Oh, on se calme. En plus, la personne, quand même, fait des gestes. Ouais. On peut pas dire, non, mais on pourrait presque enlever un point. Ça mériterait un moins un, mais c'est parce que t'es le guest, Dani. Hein. Franchement, c'est de la chance. On ne laisse plus passer. Bon, Martel. Donc, je crois qu'il y a 4 points pour l'équipe d'à côté, là. Louis, il faut qu'on gagne. Yes. Tu veux commencer ou je commence? Écoute, allez, tu me fais deviner. Je te fais deviner. Attends, je regarde juste avec la régie si on peut me chronométrer aussi. Ou si vous pouvez me chronométrer tout simplement. Clément, tu me chronomètres? Oui, mon bon monsieur. S'il te plaît. Combien de temps dois-je me chronométrer? Une minute, c'est très bien. C'est bon? Et on est parti. Alors, c'est quelque chose qui est sur Netflix. Il y a Netflix, il y a d'autres oui. choses, il y a quoi encore? Il y a Disney Plus. Ok, Sento, d'accord. Là-dedans, il y a quelque chose qui vient ouais. de sortir avec un petit homme vert qui a la force, tu sais? Un homme vert qui a la force. Ah, oui. Yoda, Baby Yoda. Ok, d'accord. Alors, ouais, parfait, nickel. Un point. Est-ce que tu connais One Piece? De loin. C'est il y a une ferme qui est à Pierre Latte de cette oh là 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 là. Cette chose qui mange qui est carnivore qui mange énormément d'animaux. Il vous reste 10 secondes. Oh là là, passe. Ok, quelque chose que Clément a fait quand il était plus jeune. Et puis il a été trader, il a été banquier. Il a fait quelque chose, il a développé quelque chose. Il a développé un API, il a développé. Je vous laisse un peu plus de temps parce que je veux savoir. Mais je sais pas, je connais pas la vie de. Mais tu connais pas la vie de Clément, mais c'est un chatbot, punaise, c'est pas possible tout ça. Mais je suis nul, c'est pas possible. C'est fini. La panique totale. Mais que fait-il? Tout le monde me dit. Non, mais je suis vraiment nul. Je sais pas si c'est moi ou toi, Marcel, mais il y a quelqu'un. Et c'était la ferme des crocodiles, tout simplement. Les crocodiles, mais non. Crocodile. Je suis le seul avec qui ça ne parle pas, la ferme des crocodiles. Je suis navré. Et parce que je suis né à Pierre Latte, en fait, et du coup, c'est le seul truc qui existe à Pierre Latte. Désolé. Bon, c'est pas grave. On est à un point, deux points, on me dit dans l'oreillette. Clément. Je suis chaud. Tu es prêt? 3, 2, 1, parti. Alors, du coup, c'est une capture que tu prends avec un appareil de photo, visage. Une photo. Ne mime pas. Selfie. Exactement. Un point. Alors, la deuxième chose, on en a parlé pendant mon Serious Talk. Je suis d'ailleurs consultant dans ce domaine. Produit. C'est des valeurs. Et Scrum, agile. C'est l'autre encore, vas-y, essaye encore. Scrum, agile. Alors, tu vois, ça fait du yoga aussi, tu vois. On pourrait dire que ça fait du yoga. Oh là là. Qu'est-ce qu'il raconte quand tu fais du yoga, tu développes des compétences dans ton corps, tu deviens quelque chose. Yoga master? Non, tu peux mettre ton pied derrière ta tête, ça veut dire que tu es. T'es flexible. Ouais, alors synonyme. T'es souple. Encore un autre. Wow, okay. La drogue, c'est malin, Clément. 50 secondes, il te reste 10 secondes. Ok, si jamais tu fais. On va passer à l'autre. Hein. Si tu fais pas du scrum, en général, tu fais du. Waterfall. Encore un autre. C'est fini. Et voilà. Après, on arrive, on me critique. Quand tu fais du yoga, tu es agile. Oh là là. Il y a. Pas dit agile. J'ai cru l'entendre. Ouais, j'ai cru l'entendre aussi. Hein.
Ah ouais, ouais. Bon, on rajoute un point, ah, parce que je crois l'avoir entendu, si on regardera le replay. Mais surdité partielle. J'avais entendu que Scrum Agile. Ah, alors, Scrum Agile. Il y a Nico qui te dit, Louis, la réputation de Weevoo dépend que de toi. Parce ouais, que voilà. Là, moi, j'ai donc été là, claqué au sol. C'est clair. Non, mais là, en plus, faut rattraper le coup. Non, mais là, on peut les battre. Clément nous a... Mais oui, ils sont que à 6. Allez, 3. Clément, c'est le meilleur joueur de notre équipe. T'inquiète. 2. 1. Let's go. Ok, c'est un jeu pour gagner de l'argent. Genre, James Bond, il joue à un jeu. Casino de... Casino Royale Non, c'est le jeu auquel il joue justement dans un casino. Blackjack La roue Non, mais tu sais, pour faire de l'argent, tu joues à genre 5-6, on peut faire des millions d'euros. Et c'est un truc également en lien avec l'agilité. Mais focus-toi là-dessus. Dans Casino Royale, il joue contre le chiffre. Tu sais, tu mets tes développeurs ensemble avec des cartes et ils jouent au... Ah, au poker planning voilà, au poker. Exactement, c'est bon. Non, mais... Ensuite, c'est comme 25 secondes. Samsung. C'est comme Samsung, mais Huawei. Version téléphone du concurrent. Apple. Le concurrent principal iPhone. De Samsung. Et voilà. C'est... Allez, Lou. Merde. Ouais, c'est comme un cuivre en plein milieu de la capitale de française. Hein? Quelque chose de la tour Eiffel grand. La tour oui. Eiffel on est allez Loulou, 3 secondes. On est sur un média online là qui s'appelle... Bah, c'est là fini. Maintenant, on est sur un média online qui s'appelle... Twitch. Oui. Mais c'est trop tard. Du coup, je crois qu'on a perdu. On a perdu, c'est terrible. Il y a trop de mots à pas faire deviner. Non, mais... poker. Ouais, le coup du poker, mais je voulais commencer par poker. J'espère que le chat me pardonne. Non, mais c'est terrible. Et je crois qu'en fait, on a les gagnants, du coup... de la Happy Hour, qui sont bravo. Clément et Dany. Bravo, non, mais bravo. Bravo, les gars. Yes. Donc, il y a 7 à 6. On n'est pas des losers. Tout simplement. 7 à 6. Non, ça fait deux fois que je perds. Il va falloir que... Deux fois que tu perds. Ouais, non, mais là, je pense que c'est complètement ta faute, Louis. C'est pas le dominateur commun. Pas du tout. Ouais, c'est clair. Ah non, mais j'en peux plus. Alors, il y a Python qui te dit la tour Eiffel en cuivre. Terrible, Louis. Ouais, mais alors je pouvais pas dire métal, je peux pas dire fer, donc il fallait que je trouve un substitut. En rouillé, du coup. Je pouvais rien dire. Ouais, rouillé, j'aurais pu dire. Ouais, désolé. Non. On se rend pas compte de ce qu'on dit. Désolé. Ben, merci beaucoup, en tout cas, à vous d'avoir participé à cet after numéro 3, qui a été un gros succès. Et merci, Dany, vraiment, pour toutes tes connaissances sur la blockchain, parce que tu as pu nous apprendre énormément là-dessus. Merci, Clément, d'avoir participé. D'avoir fait ce serious talk et aussi tout ce que tu fais chez Weevoo, justement, avec les InnoGames. Et merci, mon loulou, pour... Bah, écoute, ouais, c'est toujours un plaisir de se retrouver tous les premiers mercredis du mois avec moi. Avec moi. Sur cet écran. Terrible. La phrase de fin qui ne veut rien dire. Oui, je m'adore. Je baisse. Vraiment, passer du temps avec moi-même, c'est vraiment quelque chose de sympa. Non, mais vivement le prochain premier mercredi du mois. Et merci, ouais, Clément, Dany. Il y a quelques mots que je n'ai pas compris, et ça, c'est déjà une vraie perf, parce que moi, de gros noob de la blockchain, j'ai presque tout compris à ce que tu as dit, Dany. Donc, ultra intéressant, et je viens te voir en off, je pense, pour que tu me dises comment... gagner 10 000 euros en un jour. Parce que voilà, on ne va pas donner l'info à tout le monde sur le chat, tout le monde qui nous regarde. Voulez-vous gagner de l'argent en mars? Voilà, exactement. Contactez Clément, il vous fera peur. Merci à tous, merci de nous avoir suivis encore pour cet after produit merci numéro 3. On se retrouvera le 6 janvier, si je ne m'abuse, du coup, à 19h30, mercredi 6 janvier. Et on se retrouve très bientôt, sinon avant, pour les webinars chez Weevoo. Merci à tous, ciao tout le monde, passez une excellente merci. Soirée. Salut tout le monde. Merci à tous.